Chers internautes, bonjour. Deuxième rendez-vous culinaire de ce dernier mois de l'année 2022. La semaine dernière, nous vous avons présenté trois recettes autour du réveillon du 24 décembre et nous poursuivons notre périple culinaire avec comme objectif fêter dans la joie et la graisse le réveillon. L'allégresse. Mais c'est vrai que dans la cuisine aussi, il y a de la graisse. C'est vrai aussi. Le réveillon du jour de l'an. Qui mieux que notre invité pour nous suggérer des recettes gourmandes, festives, appétissantes, avec des produits de qualité. Il est là avec vous, c'est un fidèle compagnon. Il vous propose chaque mois des recettes à réaliser chez vous. Et comme le veut la tradition, nous recevons notre invité du mois qui va nous révéler trois recettes pleines de saveurs et de subtilités qui vont égayer nos papilles gustatives. Il est le responsable de la boutique e-commerce, comme à la boucherie.com. Et pour tout savoir sur leurs produits de qualité, consultez leur site www.commealaboucherie.com. Je vous rappelle le principe de cette maison familiale. Une livraison à domicile en bas de chez vous avec des produits de qualité et variés. Olivier Hameau, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le réveillon du jour de l'an arrive à grands pas et vous allez nous proposer trois recettes pour vivre intensément cette dernière soirée 2022. Par quoi allons-nous ouvrir les festivités et clôturer cette année civile 2022 ? Bonjour Elliot. Alors on va commencer aujourd'hui par toujours une petite volaille, une poularde de vin jaune et au mori. Alors si vous voulez réaliser cette recette, je vous invite à commander votre poularde un petit peu en avance parce que c'est pas forcément toujours évident d'en trouver entre Noël et le jour de l'an. Vous pouvez bien sûr la commander et la congeler. Mais ça peut être toujours sympa de faire une petite volaille festive, une volaille de Noël, continuer les festivités jusqu'au Nouvel An. Alors, pour cette recette, il nous faudra une poularde d'environ 2 kg, 40 g de mori séché, 2 échalotes, 25 cl de vin jaune. Donc le vin jaune, c'est un vin du Jura qui est assez caractéristique, car les raisins sont cueillis très très tard. Donc ça donne un vin qui a une couleur très très jaune. 25 cl de crème liquide entière, 15 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et une cuillère à soupe de persil plat ciselé. Donc on va dans un premier temps réhydrater les morilles, on va les plonger dans un saladier d'eau tiède pendant 15 minutes et on va les égoutter. On va porter ébullition une grande casserole d'eau salée et quand l'eau bout, on y plonge les morilles égouttées et on les laisse cuire une minute à partir de la reprise de l'ébullition. On égoutte à nouveau et on les réserve. Ensuite, on épluche les échalotes, coupe en petits cubes, coupe la poularde en une dizaine de morceaux. On met le beurre et l'huile dans une cocotte en fonte et on y fait revenir les échalotes 7 à 8 minutes à feu moyen, attention de ne pas les faire brûler. Et on les récupère à l'aide d'une écume noire ou d'une cuillère. On les réserve dans un petit bol. Donc à la place des échalotes, on met les morceaux de poularde de côté peau vers le fond de la cocotte pour les faire colorer 5 à 6 minutes à feu vif. Attention que ça va crépiter à ce moment-là un petit peu, donc attention aux projections. Et quand la graisse de la poularde a bien fondu, on tourne les morceaux et on les fait cuire encore 4 à 5 minutes de l'autre côté. Ensuite, on va enlever les morceaux de poularde qu'on met dans un récipient et on vide tout le gras de cuisson de la cocotte. Ensuite, on remet la cocotte sur le feu, on verse le vin jaune et on récupère bien le sucre de cuisson. Donc, on gratte avec une cuillère en bois ou une petite spatule. Et ensuite, on ajoute la crème, les morilles, les morceaux de poularde et les échalotes. Une pincée de sel, on mélange et on fait cuire ensuite 30 à 40 minutes à couvert. Et donc ensuite, une fois 30 à 40 minutes écoulées, c'est prêt. Il nous reste qu'à saupoudrer de persil et à servir. Ouais, on accompagne ça avec du riz, des purées un peu pestillées avec du céleri, du potimarron, etc. Ça ne peut être que bon. Voilà pour cette première recette. Par quoi pouvons-nous accompagner ce plat ? Alors, ce plat, on peut penser
rouge léger, bon, on va dire plutôt un morgon par exemple, ou un fleuri. Ou un mentou-salon rouge qui peut être très sympa aussi, par exemple. Toujours avec notre invité Olivier Hameau, sans perdre une miette de la présentation des recettes pour le réveillon du jour de l'an, poursuivons avec la seconde recette que vous pourrez préparer chez vous, chers internautes. Alors, le 31 décembre, ça peut être pour nous une occasion de vous proposer des races de bœuf un peu prestigieuses, comme le bœuf Wagyu, par exemple. La race Wagyu, c'est une race de bœuf qui est originaire du Japon, avec laquelle on fait par exemple le fameux bœuf de Kobe. Donc, nous, on va vous proposer pour les fêtes de fin d'année du Wagyu japonais, et peut-être, là, c'est pas encore sûr, mais peut-être du Wagyu d'autres origines. Mais du coup, on vous propose de préparer cette recette de bœuf Wagyu, châtaigne et poulet champignons, qui pourra ravir vos concours. Pour cette recette, il nous faudra 4 pièces de bœuf Wagyu, on va prendre de la bavette ou d'autres morceaux pas trop gras. 400 g de châtaigne, 1,5 litre de bouillon de poule, 350 g de champignons, par exemple des chanterelles, des pleurotes, des cèpes. Ce que vous aimez, ce que vous voulez. Une gousse d'ail, 5 branches de persil plat, 50 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, du sel, du poivre, du moulin. Alors, pour préparer la recette, on va d'abord préparer les champignons, on rince, on note la terre, on coupe le pied, on détaille en deux. Moi, il y a beaucoup de cuisiniers ne veulent pas rincer, mais vous pouvez les rincer très rapidement sous l'eau si vous voulez. Et vous les réservez. On pèle la gousse d'ail et on les mince finement. On hache le persil, on réserve. Ensuite, on va placer les châtaignes dans une casserole avec le bouillon de poule. On fait cuire à frémissement pendant 10 minutes. Et avec un pinceau, on va badigeonner les bavettes de bœuf d'huile de tournesol. On fait chauffer une poêle ou un grill à chaleur maximale pour y faire cuire les bavettes. Bien sûr, c'est important que la pièce de bœuf soit bien saisie. Hein. Surtout ces pièces un peu persillées et grasses. On va saler, on va laisser reposer quelques minutes dans un papier aluminium. On va faire mousser la moitié du beurre d'une grande poêle et on va y faire revenir la champignon. On sale une nouvelle fois. On ajoute l'ail et le persil, on mélange rapidement et on débarrasse sur un plat. On met le reste du beurre dans la poêle, on fait dorer, pardon, brièvement la châtaigne. On remet les champignons, on mélange délicatement et on poivre. On met des bavettes dans les assiettes, on poivre et on ajoute la garniture et on sert de suite. Alors même pour cette recette-là, je vous conseille même de prendre du wagyu, mais pas forcément du wagyu japonais. C'est une viande très tendre, très persillée, mais le wagyu japonais, c'est mieux de le faire vraiment en petit émincé et juste revenu très rapidement. Snacké, comme on dit. Et avec Voilà pour ceci. cette recette. Et avec ça, on pourra servir un bon Côte-du-Rhône. Châteauneuf du Pape, par exemple. Ah oui, excellente bouteille, excellente bouteille. Ah ben, il faut se faire plaisir quand même. Même Ah. si les temps sont difficiles, au moins pour le 31 décembre, on peut envisager de se faire plaisir. Oui, et puis il ne faut pas se laisser dépérir non plus. Donc, de temps en temps, une bonne bouteille, ça remonte le moral. Et en janvier, on essaiera de trouver des recettes économiques Exactement. pour contrebalancer. C'est sur une table merveilleusement décorée et entourée d'amis que vous allez pouvoir déguster avec gourmandise la troisième recette gastronomique exclusivement pour le réveillon du jour de l'an. Alors, je vais vous proposer, pour changer un petit peu, des papillotes de filet de veau aux fruits secs. Donc pour 4 personnes, il vous faudra un filet de veau d'environ 400 à 500 grammes, que vous pouvez trouver bien sûr chez nous, 4 cuillères à café de fond de veau, un poireau, 8 cuillères à soupe de Porto, environ 20 centilitres,
12 pruneaux dénoyautés, 12 abricots secs, 4 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile et une pincée de poivre. Donc, dans un premier temps, on va préchauffer le four thermostat 7 ou 220 degrés. On va couper le veau en petits morceaux, en petites tranches. On lave le poireau, on enlève le vert et on le coupe en fin matonnée. On épluche et on hache l'ail. On coupe les pruneaux et les abricots en petits dés. On dilue le fond de veau dans le porto. Et ensuite, dans une poêle contenant une cuillère à soupe d'huile d'olive, on fait revenir le poireau. On ajoute le mélange de fond de veau et le porto et on fait cuire à feu doux pendant une quinzaine de minutes. On va préparer les papillotes. Pendant ce temps-là, on va découper des feuilles d'aluminium. On huile les côtés, un des côtés, pardon, et on répartit le poireau et leur jus de cuisson. On ajoute l'ail et on dépose les tranches de veau, pardon, sur les poireaux. On répartit les pruneaux et les abricots et on poivre. Ensuite, on va fermer la papillote pour pouvoir la mettre au four et on la fait cuire pendant 30 minutes environ. Et voilà, une fois les 30 minutes passées, le repas est prêt, donc on pourra le dresser sur les assiettes. Donc, c'est une recette assez diététique, on va dire. Mais tout de même assez festive. Et puis, surtout, enfin, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le sucré-salé, comme par exemple le canard à l'orange ou même cette recette, alors que c'est divin. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le sucré-salé, eh bien, testez quand même la recette. C'est une recette qui sort un peu d'ordinaire, mais qui est pas mal du tout. Conseil. Et que nous proposez-vous de boire avec ce plat? Alors, avec du veau, on peut partir sur un Sancerre. Voilà, vin blanc, très bien, c'est bon ça. Merci Olivier pour la présentation de ces trois recettes. Je rappelle que vous êtes le responsable de la boutique e-commerce comme à la boucherie.com et pour tout savoir sur leurs produits de qualité, allez sur leur site www.commalaboucherie.com. Ces produits, on peut se les faire livrer en bas de chez soi. Le tout sera dans un camion réfrigéré avec des livreurs très compétents. Que demander de plus après cela? Merci Olivier et rendez-vous en 2023 pour continuer notre voyage culinaire avec commealaboucherie.com. Merci Elliot. À bientôt et à l'année prochaine.